votre attention, s'il vous plaît. Ne faites pas poireauter. T'en fais pas. Ça va passer comme une lettre à la poste. Quelle allure, Tom. Tu salopes pas ton uniforme. Garde-le. C'est toi le nouveau ? Merde, t'aurais mis le temps. Alors, tu crois qu'il va s'en sortir ? J'ai aucun doute qu'il va buter Guilotti. Mais se tirer du bateau, là, il lui faudra un ange gardien. Il a pas besoin d'un putain d'ange. Il nous a nous et on sera là pour lui. Allez. Ouais. Gosses, une épouse, j'allais nettoyer les toilettes. Les invités sont pleins. Pourquoi j'ai pas tout ça ? Volontaire pour nettoyer les chiottes. Bon, la serpillière est là, inspecte tous les ponts. T'es pas déjà vu, toi ? Non, je crois pas. Mais si, je te connais. Tu bossais pour le syndicat ? Désolé, mon pote, je suis pas du coin. Allez, putain de moussaillon de mes deux, là. Tire-toi ! On a presque tout perdu. Je crois qu'il est dans la mouise. La plupart du temps, elle me reconnaît pas. Quoi ? Tu me prends pour un dur, c'est ça ? Je passe mes journées à me demander comment faire pour trouver de la nourriture. T'as vu l'officier de maintenance ? Non, mais je parierais ta chemise qu'il est encore bourré dans la salle des moteurs. C'est un homme qui a le bras long. Du temps. Toi, Tommy, le flingue est dans les chiottes, côté poupe. Vers le milieu. C'est où la poupe ? À l'étage. Juste au-dessus. Les clés sont sur la table, là. La prochaine fois que tu balances mon nom, je te fous par-dessus bord. Pigé ? D'accord. J'ai compris. Prêt à voter pour lui. Ça y est, je sais. T'es un gars de Salieri. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Eh ben déjà, pour commencer, je vais te casser la gueule. T'es dans la merde ! Merde ! Allez. Où t'es planqué, saloperie ? Regardez devant vous. Tiens, John,
J'espère que vous vous amusez. Alors, vous savez, tant que le bar reste ouvert. Bien dit. Buvez un verre à ma santé. Content de vous voir. Merci d'être venu. Merci. Merci à tous d'être venus. Et bienvenue à ma petite fête. Bon. Vous le savez tous, nous avons vécu des jours sombres. Il y a 3 ans, mon fils Billy nous quittait. Un innocent dans une odieuse guerre de gangs. Victime de la maladie qu'est le crime organisé. Depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à éradiquer cette maladie. Nous sommes ici pour célébrer mon 50e anniversaire. Et une lueur d'espoir pour Lost Haven. Les criminels seront chassés de la ville. Et ils couleront comme des rats. Merci. Merci à tous. Maintenant, le feu d'artifice. Je vais faire pour l'atteindre. Ouais, je serais rentré avant dîner. Ça te dit qu'on aille danser ce week-end? On pourrait peut-être déposer la petite chez ton père. Ouais, je suis toujours là. Au bordel. Hey! Stop! Je sais pas quoi faire, là, c'est la merde. Hey, reprends-toi, Tom. Ce qui vient d'arriver, ça arrive, et on peut plus rien y faire, maintenant. La chance de Sergio va tourner, je te le garantis. Hein? Attends, mais je comprends pas, de quoi tu parles, là? Sam et Polly l'ont retrouvé. Il est dans le restaurant de Georgie, de l'autre côté de la ville. Et tu dois y aller tout de suite. D'accord.
Tom, ça va? Ouais, je pense à la voiture piégée, là. Tout est parti en couille. On pourra en causer après. Pour le moment, on doit liquider ce salopard. On y va. C'est quoi ce bordel? Un message de la part de Monsieur Salieri. Non! Dites-moi, c'est con! Amène-toi! On retourne à la caisse! Il faut qu'on le rattrape avant qu'il se fasse buter, ce con!